Et salut à tous, c'est Nemco. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Startup Panic. Un jeu où on va être dans la panique de la startup. Bon, ok, plus sérieusement, c'est un jeu où on va tout simplement fonder notre startup. Je vais pas vous spoiler l'histoire, est quand même très compliquée. Hein. Bon, où c'est qu'on va se poser ? Allez, c'est vrai qu'on a le choix entre plein de pays, mais pas la France. Hein. Bien sûr, tout le monde va aller dans l'Oural. Au Groenland, en Ontario, hein, bien sûr, mais en Europe, c'est le même pays. Hein, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest. Et difficulté, on va rester en normal, on va espérer que ça se passe bien. Et là, on a le petit générique de début. Alors, on est dans une grosse boîte. Ok, ça c'est le super chef machin. On a carrément le rat, le mec qui est en train de se rouler au sol. Le PC qui crame, une caméra, deux caméras, l'heure. Bordel ici, le PC qui a explosé. Donc quasiment tous la même tête en plus. Non, ça va. Et nous, on se barre. Nous, on a dit, ok les gars, j'en ai marre, je me quitte. Je vais devenir YouTuber. Et non, on n'est pas devenu YouTuber, on est devenu chômeur et on rentre à la maison avec notre RSA. Ah non. Non, bon, on va juste créer en fait notre startup. Donc là, c'est James Snipe. On le connaît tous. Oui, désactiver le didactical. J'ai déjà joué une première fois. C'était il y a longtemps. C'était compliqué comme jeu. On va se faire. Ok, bah oui, moi je suis le seul de toute façon. Donc je vois pas trop ce qui pourrait se passer. L'autre, c'est une page d'accueil. Une page d'accueil, il faut quand même que ce soit esthétique, ergonomique, et après niveau technologique, c'est pas forcément le plus gros, mais surtout en esthétique, je dirais. Voilà, on essaye comme ça. On va voir comment ça se passe. On se met à fond, le temps de développer bien sûr notre attribut. Donc, je vous présente quand même. On a différentes fonctionnalités au niveau de notre site. Non, je te ferme. Différentes catégories, hein. Par exemple ici les avis des jeux, plateforme de streaming, marché aux objets, créer un événement, tout ça, ça va être un petit peu tout ce qui va être social, j'imagine. Tout ça, ça va plutôt être le chat, je pense. Non, ça va peut-être être plutôt tout ce qui va être social, échange, peut-être réseaux sociaux, les Facebook. Bref, on a différents trucs, ici c'est YouTube, là ça va peut-être être plutôt Steam. Là, c'est les fonctionnalités de base. Notre but, ça va être de créer les fonctionnalités. Chaque fonctionnalité va avoir un coût, donc un nombre de stats recommandés, un coût de développement, des revenus pour 1000 utilisateurs, en fonction bien sûr de la note de notre fonctionnalité, et aussi un coût d'entretien, d'accord ? La durée approximative et le nombre d'employés qui sont recommandés. Faire cette fonctionnalité-là, le pack mensuel, demande beaucoup plus d'employés, de temps, de coûts que la première qu'on avait, et aussi de statistiques. Et il y en a bien sûr qui rapportent beaucoup plus qu'elles ne coûtent. Et je pense qu'il y en a aussi certainement qui coûtent plus cher que ce qu'elles ne rapportent. Par contre, de là vous dire où exactement. J'ai pas fait gaffe s'il y en avait, mais je suppose que ça va être possible. On a le marketing global. Ah oui, ok. Je sais pas du tout à quoi ça sert ce que je fais. Aperçu du score, score global, technologique, ergonomique, ça doit servir à quelque chose. Ça c'est nos employés, donc actuellement on n'a que nous, hein. On a 2 points de compétences technologiques, ergonomiques et en marketing, et 3 points en esthétique, et une motivation à 99. On pourra recruter, envoyer en vacances, former, et on aura aussi c'est notre société, notre profil, notre rapport mensuel, ce qu'on paye, ce qu'on gagne, notre solde. Donc notre compta, grosso modo, avec les bonus que nous avons, le nombre d'employés, notre capital. Et à mon avis, ici, c'est les réglages. Voilà. En haut, on a notre nombre d'utilisateurs avec notre cash flow. Donc pour l'instant, notre seul mensuel est de 0 parce que rien gagné. On n'a pas encore les 600 qui sont partis ni le loyer vu qu'on vit chez les parents. On a 3004 de cash et on n'a pas encore d'utilisateurs. C'est normal, notre page d'accueil n'existe même pas. Et ici, on peut retrouver nos quêtes qui vont nous rapporter des récompenses. Accélère un tout petit peu. On est en fin de test de la page d'accueil. Ok. Le test est fini.
9,4 10. Ah, j'ai sous-estimé l'ergonomie. C'est pas grave, ça nous fait quand même un score de 9,8, ce qui nous fait augmenter nos statuts de la société. On gagne 2 points d'attribut, ce qui est plutôt sympa. Et on a une note globale à 9,8. Si elle est au-dessus de 7, ça fait qu'on sera pas piraté. Et on gagne 3,5 $ de plus que ce que ça nous coûte pour 1000 personnes qui vont regarder. Donc c'est plutôt sympa aussi. Motivation, elle est toujours bonne. Je peux pas récupérer ma récompense. Ok. Donc fonctionnalité. Nickel. Passons à la suivante. Alors, les inscriptions. C'est votre capacité en ergonomie qui vous sera utile, donc il nous faudra quand même un petit peu de technologie, j'imagine. Bien sûr, toujours moi, je suis le seul qui peut. Ergonomie à 44, technologie en 0,5. Peut-être pas besoin de beaucoup d'esthétique quand même, hein. C'est une page d'inscription. Ça devrait suffire. Ça devrait suffire, bien sûr, en fonction de là où on est bon. J'ai des attributs de société. Qu'est-ce que c'est? Ici, attributs. Alors, soit on baisse le coût du loyer. Pour l'instant, on n'a pas besoin du coût du mobilier ou les coûts de recherche et développement. Ça, ça va être utile, à mon avis. Voilà, là, le mec, il est en train de préparer. Il réfléchit, tu vois, mais il prépare. Je prépare de loin. Je t'ai pas désactivé, toi? Oh. 4 fonctionnalités à créer. Ok. Là, je collecte mes besoins. Alors, les inscriptions, comment ça se passe? Ok, je fais une page en PHP. D'accord, hop. Attention, il faut penser. File SQL. Ok, nickel. On teste. Ça marche bien. 10. 6,9. Ouh, j'ai sous-estimé leur économie. Ça, c'est pas cool. On est pas loin. Vous voyez, on est vraiment pas loin. Donc ça fait qu'on n'a pas dépassé les 9. Donc on n'a pas beaucoup augmenté. On a gagné qu'un point d'attribut. On va pouvoir l'améliorer après. Alors, salut Andrew à la torre. Et ben moi je travaille chez Grosse Pite SARL. Ok. Non, parce que si on accepte, c'est un game over. Et franchement, ça fait déjà 5 minutes que tu joues. Tu tapes un game over parce que t'as juste accepté le premier truc. Un peu les nerfs quand même. Solde mensuel de 1 parce que nous avons un utilisateur. C'est plutôt cool. On a un autre attribut qu'on ne pourra pas utiliser ici. Oh. Voulez-vous vraiment activer frais de gestion? Non. Oh non, je veux rien payer moi. On va faire une autre fonctionnalité, t'en reviendras plus tard. Esthétique et ergonomie. Eh ben, on va tout mettre à fond. Regardez. Ah, est-ce que c'est à cause de même... C'est bizarre, je suis qu'à 97%. Ah oui, parce que j'ai déjà 1% partout. Esthétique, ergonomie. On peut baisser, à mon avis, et augmenter là. Je suis vraiment pas ouf en ergonomie, hein. Pas si ça aide bien ce que je fais. Je sais pas si j'ai bien choisi. Je sous-estime en fait l'ergonomie, mais c'est vrai qu'il me rapporte pas autant de points que ce que l'esthétique et la technique peuvent se faire. 80% de motivation. Allez les gars, on croise les doigts. Là, en vrai, on sait très bien que le mec, déjà, il vient de faire planter son PC, qu'il est sur TikTok, qu'il est en train de te faire des vidéos en te disant « Ouais, t'as vu, moi, je suis un mec qui développe des applis. Ah, vraiment, je fais tout ce que je peux. » Ouh, ça rapporte à max. Mon site web est plus magnifique que le mannequin Gigi Habib. Bah, je connais pas Habibi, mais c'est pas grave. Et ouais. Là, on est sur TikTok en train de faire des vidéos. Comment j'ai réussi à développer mon site et atteindre le million de dollars en à peine 3 mois en ne faisant rien? Et bah, c'est grâce à TikTok, les gars. Je vais devoir payer des frais mensuels de 200 balles. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui... Pour quelle raison? Et bah, on va faire un job en sous-traitance. Vu qu'apparemment, nous sommes les pigeons du gouvernement. Euh...
Ça, c'est pour tout ce qui est embauche. Pour l'instant, je m'en fous un peu. Récompense de sous-traitance ou coût de fonctionnalité. Ah, ok. Je développe. Ça en coûtait que 1 en fait. Toi, t'en coûtes 2 par contre. Fonctionnalité de sous-traitance, j'y compte pas. Ah, quand même mettre le coût du mobilier pour après. Ah, ça en coûte 2, d'accord, pardon. Excusez-moi, j'étais persuadé que non. Stats recommandées 4, c'est pas grave. Recherche graphiste. Ça va être que de l'esthétique, j'imagine. Esthétique. De toute façon, tant que je réussis à dépasser la note que lui m'a demandé, je suis bon, je vais gagner un petit peu de thunes, je vais essayer de gagner plus de thunes qu'actuellement. En plus, il fait pas très beau dehors. Ah, c'est flippant quand je passe devant le miroir. Mais vraiment, regardez, on a pas vu. 7,5, j'ai explosé le score. Plus 47 points, 2900, donc résultat, il me paye au max. Ah bah c'est trop bien. On a gagné de la thune. Nickel. 6013 de thune. On peut toujours rien faire avec cette thune là. Ok. Tant qu'on peut rien faire, de toute façon, ça vaut pas le coup de trop s'embêter dessus. Les capacités en esthétique la rendent plus agréable. Ok. Donc page de profil, il va nous falloir un peu d'ergonomie, beaucoup d'esthétique et un peu de technologie. 15% ça devrait suffire à mon avis. Et c'est surtout ça qu'il faut blinder. Allez, 51%, je pense que ça suffit. Allez mon gars, fais-moi une fonctionnalité de malade. De malade, j'ai été dit. Je viens de payer 200 balles. Ça fait mal aux fesses un peu les 200 balles. Hein. Heureusement, j'ai 5 300 €. Donc le mec hein, qui est parti quand même chez ses parents parce qu'il avait pas assez de thunes pour monter sa startup, mais qui a quand même 5000 balles sur son compte au bout de 4 mois de travail. Ouf, c'est juste, mais ça se passe plutôt bien avec... Simple comme du bon pain, mais je suis pas très objectif puisque je suis boulanger. Quoi ? Les gars, faut arrêter. Non, vous pouvez pas dire des choses comme ça. Durée de développement plus courte, coût de campagne marketing dans les deux cas, coût de développement. Ah oui, c'est long quand même. Hein. Coût du mobilier, coût de formation. Pas tout de suite le coût de formation, mais après, durée de formation aussi. Très bien. Alors, faire une petite fonctionnalité, on va faire les amis. Ah là, il me dit attention, techno et ergonomie, ça risque d'être chaud. Hein. Ah, apparemment, si t'as un point qui est quand même en dessous de 7, tu risques de te faire pirater, j'imagine. Et il me dit attention. Attention, grand, je vais te casser la gueule. C'est pas grave, niveau motivation, je suis à combien? Je suis à 63. Et ben, on va continuer la sous-traitance. Que des stats à 4. Capacité en esthétique, et ben... un petit peu quand même, hop, et tout le reste en esthétique, et let's go. Regardez-moi cette image qui passe devant le miroir là, terrifiant. Mais c'est possédé chez moi. Le chaton il est là, on l'a vu, et le miroir, c'est shiny. 55 de motivation. Ah, c'était pas ouf hein. C'est la motivation qui baisse autant. J'imagine que c'est ma motivation qui flanche un peu. Capacité en esthétique, c'est pareil, on blinde que l'esthétique. On va essayer quand même de finir cette mission. Le souci c'est que sinon je vais perdre des points de... pas de talent mais de qualité je pense de ma société. Je vais devoir payer des indemnités aussi à mon avis. Et j'ai pas trop envie. J'ai envie que ça se passe bien quand même pour ma boîte.
À Nemco Corp, vous savez, nous, on prend soin de nos clients. C'est... Ouf, nickel. Motivation 48. J'ai l'impression de vivre un jeu. Bah, mon grand, c'est ce que tu fais, hein. Je suis désolé, hein, je me sers de toi pour me faire de la thune pour l'instant. Regardez-moi ça, pourquoi vouloir créer ta startup avec ton site? T'as déjà 12 000 balles, gros. 5 mois, 12 000 balles. Ok, sixième mois. Tu vas être à 15 000. Et tu fais que de bosser pour des gens. Parfait, score minimum 3, plus 9 points. La motivation, elle est vraiment pas bonne, là, ça pue. Là, ça pue, vous allez comprendre pourquoi ça pue. On va quand même faire le ajouter un ami. Une bonne capacité en ergonomie. Oh, mais ça a mal se passer quand même. Voilà. La motivation, elle est pas là. Hein. Là, le mec, tu sens qu'il est pas très très motivé quand même. Oh, poisson rouge. Ouais, bon, allez, je retourne bosser. Blue screen, YouTube. On voit que t'es sur YouTube. Windows XP. On sait pas ce que tu fais sur PowerPoint. Blue screen. Peut-être changer les composants de ton PC. T'as 14 000 balles. Tu pourrais peut-être avoir un PC qui te permet de bosser, mon gars. 7e mois, 13 000 euros. Eh, c'est pas aussi pire que ce que je pensais. On a perdu des points dans le statut de la société. Bon, peut-être pour ça. Hein. Allez, ciao. Ok, je peux partir en vacances. J'ai créé 4 fonctionnalités et maintenant je peux envoyer mon employé en congé. Je suis plus qu'à 34, donc il me faut quand même un truc à mon avis qui va me repasser au moins 94. 271 utilisateurs. C'est cool, non? Nouvel objectif, formation débloquée. Eh bah parfait. J'ai pas débloqué les formations? Je pensais. C'est long mes vacances, hein. Elles sont longues. Je suis en congé, et tant que je suis en congé, bah... Ah, 98. Hop. Maintenant, mon gars. Tu vas partir en vacances. Ok. Maintenant, ils m'ont expliqué que je pouvais corriger les fonctionnalités qui s'étaient mal passées. Je pouvais pas l'envoyer en formation? D'accord. Ah non, il faut que j'ai un solde minimum de 200 balles pour pouvoir. Ok, révision 329. Par contre, en ergo, je suis toujours pas sûr que... score précédent 1,267,5. On va baisser un peu ça. On va baisser un peu ça. Et on va augmenter ça quand même. Parce que là, 1,2, c'était clairement pas assez. Regardez cette fois comment ça se passe. Là, je suis quasiment à 100. Si c'est toujours pas bon, c'est que je suis vraiment une grosse merde. Il faudrait peut-être plus d'utilisateurs. Je sais pas comment en attirer plus. Il faut que j'ai quand même le solde au-dessus de 200 pour pouvoir vivre. Enfin, avoir les formations donc qui vont me rendre plus compétent. J'espère en tout cas. Ah bah voilà, là c'est déjà mieux. Examen rétroactif. Je sais pas ce que c'est mais j'en ai pas besoin. J'ai gagné 500$. Juste grâce à ça. Faire une analyse à froid de l'une de vos fonctionnalités. Oui bah je sais qu'il y a plein de... Il y a plein de métiers pour moi, mais j'ai pas envie de bosser là tout de suite en fait. Durée de développement. Non, on a dit coût en formation surtout. Parce que ça va coûter cher. Fonctionnalité en technologie. Lui, il est bas. Qu'est-ce qu'on peut augmenter un petit peu? On doit pouvoir baisser ça un peu. Augmenter la techno. Baisser un peu. Augmenter.
baisser un peu et augmenter ça. Allez mon grand, rends-moi fier de toi, t'as 90%. Ça devient chaud, hein. Faudrait que ça se bouge un peu là. Les gars, je vous ai fait mon site. Youborn. Youborn, quoi. Avec un B. Comme dans Baptiste. C'est pas le meilleur prénom que j'ai choisi pour pouvoir montrer qu'il y avait un B dedans. C'est toujours pas suffisant. Ce n'est toujours pas suffisant. Ergonomie, toi. On va te réviser. Les deux sont à 10. On va dire que c'est peut-être toi. Hop. Toi aussi. Et toi aussi. Voilà. On va essayer comme ça. De toute façon, j'ai de la thune. Pour le coup, j'ai vraiment de la thune à claquer. Donc. Dans ces cas-là, ça pourrait être pas mal d'avoir une fonctionnalité qui permet juste de sauter. Et le bouton bouf après. Et c'est tout. Zou. C'est toujours pas suffisant, examen rétroactif. Je sais pas à quoi ça sert ce que je suis en train de faire. Suffisant, satisfaisant, insuffisant. D'accord. Mais à quoi ça sert? Et ben on va toujours. On va te baisser toi. Suffisant. Je sais pas, hein. Je sais pas, j'ai pas plus d'utilisateurs encore. Est-ce que je fais une nouvelle fonctionnalité? J'envoie mon pote. Je vais l'envoyer se reposer un peu. Dès qu'il a fini ça, je l'envoie se reposer. Si ça n'a pas suffi pour la révision, je le referai après qu'il soit reposé. Ah oui, bah, y a plus assez de technologie maintenant. Projeté. Tu vas être reposé. T'as 63, il t'en faudrait 40. Ouais, mon gars, moi je claque, moi j'ai de la thune. C'est comme là, c'est le seul mec qui est en congé. C'est le seul mec dans la société. Je pourrais pas l'envoyer et que le jeu recommence au moment où il revient de congé. Bah non, parce que sinon ce n'est pas drôle. Alors, soit on fait les commentaires, soit on fait les thèmes de profil. On va faire les thèmes de profil. Parce que ça nous demande plus d'esthétique et l'autre c'est de l'ergonomie. Donc on va faire ça comme ça. Ah, il faut quand même... Hop, mis sur tout ça et un peu de techno. Allez, développe-moi ça, Nemco. On est sûr que ça va très bien se passer. Allez, mon grand, tu peux le faire. Tu bosserais certainement mieux en étant sur ton ordi, parce que ton ordi bosse sans toi. Alors, je veux bien que tu aies des lunettes de soleil, que tu... non, c'est des lunettes de vue, en fait. Faudrait peut-être que tu baisses la luminosité dans ta chambre. Oh, mais il est trop sympa. Il est trop sympa, il arrive à la fin, il fait « Oui, bon les gars, j'ai décidé, c'est bon, c'est facile. » Clic gauche, clic droit, hop, envoyer. Ah ouais, 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 ça pue quand même sur la techno. On va quand même la garder. Mais on va la retravailler. Ouais. Ah non, non, on va travailler tout de suite. On va te baisser un peu en esthétique, en ergo aussi. Non mais là c'est pas possible. Gros, 5,6 en technologie, tu vas te faire pirater là. L'agent Kevin il t'a déjà piraté ton site quoi.
chers investisseurs, moi Nemco, propriétaire de Nemco Corp, suis en train de développer une fonctionnalité payante, les thèmes de profil. Cette fonctionnalité vous permettra d'avoir différents thèmes sur votre profil. Vous savez, les choses que personne n'utilise jamais. On va le garder comme ça, pour l'instant. Les 8,4 me dérangent moins que les 6. Mais cette fonctionnalité, ma foi, est fort importante. Thème payant. Thème payant, ça va tellement rapporter de la thune. Et esthétique aussi. Mettre 45, 20, 20. Allez mon gars, je compte sur toi. Là, tu peux me rapporter du pactole. Là, tu peux me permettre de t'envoyer en formation pour que tu sois un peu plus utile peut-être dans ta vie. Pur. Allez, Polo. Allez. C'est ton moment. Allez mon gars, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ouh, ça fait mal. Je m'en fous du bond. Oh, il me saoule James Snipe là. Donc le bond, c'est une compétition, voilà. Ouh, 2000 balles par mois. 13 000 utilisateurs, juste pour les thèmes payants. Ok, insuffisant en tout. Merci. Oui, je voudrais former mon PDG. D'accord, je suis obligé de passer par ici. Alors, technologie 1-3, esthétique, ergonomie surtout, 10 jours. 2000 balles hein, pour le former quand même. Ah, on peut zoomer. Trop bien. On peut zoomer, mais on peut aussi dézoomer. Tout ça pour un point. On va te renvoyer 2000 balles. Ah, Johan Alberg. Le nom de Alberg Industries ne vous parle pas. Mon père est mort. D'accord. C'est un concurrent, blablabla, il s'en pupisser. Merci mon grand. Grâce à lui, on a perdu les trois quarts de nos voilà exactement. Enfin des mecs qui suivaient notre site. Utilisateur, c'est écrit. Il grignote des parts de marché quand même, hein. Recherche. À quoi ça sert? Ah bah non, je peux pas. En esthétique, merci. Amélioration de bureau. Non, je ne veux pas louer de nouveaux bureaux. Par contre, je veux bien faire la recherche sur les parts de marché. Je sais pas trop à quoi ça me servir, mais on va faire ça. Après, je me demande si je peux pas survivre juste avec de la sous-traitance. Finir le jeu en étant juste sous-traitant. À mon avis, ça se tente. Par contre, ça me fait un peu mal au cœur là, mon mec qui met un peu trop de temps là pour refaire sa veille. 174. Ah, ils me piquent de plus en plus de parts de marché. Hein. Je sais pas combien ils sont dans leur boîte là, mais c'est pas bien les gars ce que vous faites. Ah. Comment je peux avoir un article qui critique mes employés et moi-même, sachant que je suis tout seul dans ma boîte? Allez-vous garder vos... Je fais rien. Je fais rien, j'ai pas le temps pour ça. Les rageux continueront à rager, madame. Et les beaux gosses comme moi continueront à être des beaux gosses. Et ils sortent 12 fonctionnalités par 12. Et comment ça se fait là que je galère autant?
je perds mes employés aussi, super. Elle est très longue cette veille concurrentielle là où c'est moi. Chais. Par contre, on peut m'expliquer pourquoi le mec, alors ça fait déjà un an et demi qu'il a sa startup et qu'il va seulement décider de faire des recherches sur ses concurrents. C'est pas... Non, c'est pas top, grand. Vraiment, c'est pas top. Et je pourrais remporter le bond avant l'année 4, mois 2, si j'ai 13 fonctionnalités. Ok. Ok. Il faudra quand même que j'améliore mon bureau pour être assez compétent. Mais, waouh, ça avance pas. Oh. Allez, mon gars. Boss. On publie. Tout ce qui est négatif, je dis ciao. Dès que quelqu'un utilise quelque chose, je dis bonjour. Au pire, vu notre nombre d'utilisateurs, ça sera pas... Voilà. Quand il y a peu d'utilisateurs, il n'y a pas de bad buzz. Quand on en a beaucoup de gens, par contre, ça peut être chaud. Ok. Ça va être là-dedans. Wouhou. Oh, ils sont pas beaucoup mieux que moi, hein. Ah si, quand même. Ah ouais, mais leur score, il est pas ouf, hein. Regarde-moi ça. Moi, au moins, c'est de la qualité, mon gars. Je t'envoie en formation, d'abord. Pour de la techno. Parce que t'es pas ouf en techno. Et une fois que tu reviendras après ta techno, je te renverrai sur je sais pas quoi pour l'instant. 7092, 12 jours. Bonjour, je recherche le propriétaire de ma maison. Où êtes-vous ? Ah, plus 2, nickel. Encore un truc en ergo. Allez. Est-ce que je peux t'envoyer au dernier truc en ergo ? Non, pour en congé. Ergo. Et là, il me revient avec un plus 3. Mazel tov. Oh, il neige dehors. Oh, c'est mignon. Oh, regardez l'année de neige. On peut pas trop voir l'année de neige. Oh, plus 2. C'est déjà très bien. Plus 2, c'est déjà très bien. On va refaire les fonctionnalités. Ah oui, attends, toi, tu rapportes de la thune à mort. Ça c'était sûr. Ah non, on va t'envoyer en vacances. 18, il m'en faudrait 80. Allez. Plus 60, ça lui fera 88, ça suffira. Oh, ils ont du mal, ils y arrivent pas. Je réponds pas orageux. Sans blague. Revenez bosser chez moi, les gars. J'ai pas d'employé, mais venez bosser chez moi. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Nickel. Maintenant, on part sur un petit projet des familles. On révise les thèmes payants. Hop, moi. Toi, on baisse un petit peu. Il y aura pas besoin de temps, à mon avis. Ouais, c'est vrai que j'ai amélioré mes stats, donc techniquement, je suis beaucoup plus efficace. Voyons voir comment ça se passe. Est-ce que je suis plus rapide aussi ou je suis juste plus efficace? Enfin, j'ai plus de points sur la même durée. Qu'est-ce qui se passe? Ah! D'accord. Je perds 3% de part de marché parce qu'ils ont oublié que Eric Zemmour avait utilisé mon site. Mince. Zut alors. 10. Oh, nickel. 9, 9, 10, 10, 10. Bam! Point d'attribut. Merci les gars. Quoi? Comment ils ont pu hacker mes fonctionnalités? Pas normal. Quelle fonctionnalité atteinte? Comment ils ont pu hacker ça? Je croyais qu'il fallait qu'il y ait tant de points dans un truc pour qu'ils puissent le hacker.
Ok. Il n'y a pas de développe. Pas de raison que ça se passe mal. Quoi? Je crois que c'était année 4. Année 4. C'est année 4. Pas tout de suite. J'ai le temps encore. Faites pas peur comme ça, les gars. 69 de motivation. C'est bien chaud. Vas-y, fais un site, mon gars. Pourquoi je serais pas content que t'as un youtubeur célèbre qui décide de faire une vidéo sur mon site? Au pire, il filme en disant qu'il a croisé un cadavre dans la rue. C'est moche, mais je m'en fous. Vraiment, hop, bam, plus 6, hop, technologique, hop. Tout ça, c'est bon. Attends, on va peut-être refaire un petit peu quand même. Allez, 7,6. On va baisser un peu là, on va baisser un peu là, on va quand même monter là. Allez go! Moi, je veux que mon site y soit au oignon. Tout va très bien se passer, regarde-moi ça, j'ai encore 7000 balles, je gagne 374$ par mois. Et j'ai encore 1 an et 4 mois pour pouvoir participer au Bond. James Bond. Ni ton développement, mon gars. Moi, je m'en fous, mon gars. Moi, c'est propre, mon gars. Moi, sur la durée, je vais t'exploser, poteau. Voilà, 3, 10. 3 à 10, un point d'attribut en plus, 11,98. Bam, qu'est-ce que tu veux faire? Je t'explose. C'est les commentaires que t'as développés. Qu'est-ce qu'il faut pour les commentaires? Ergonomie, ok, ergonomie. Hop, hop. Un peu de technologie, un peu d'esthétique, un peu de fantaisie. Allez, allez, développe-moi cette technologie, gros. C'est pour ça que je me bats depuis un an. En 2021, j'ai lancé ma société. J'avais au début un seul utilisateur et maintenant j'ai 5 millions sur mon compte courant. Tout ça grâce à ce site. Alors développe-moi ces commentaires, poteau. Comment t'arrives à implémenter du code en allant jouer avec le chat devant ton armoire qui est hantée? Un avis si calamiteux concernant que vous demandez s'il a bien compris comment il fallait s'en servir. Mais non! T'es rageux, je m'en fous, gros. Ah, c'est pas ouf. C'est pas ouf, peut-être un peu trop d'ergonomie. C'est pas mauvais, mais... Mais c'est pas ouf non plus. Ok. Je suis comment? 46 de motivation. On va s'envoyer en formation. Et à notre tour, les amis, à mon avis, je pense qu'on pourra dire ciao ciao. Petite formation. Il reste plus que 5000 balles sur le compte. C'est pas mauvais non plus. C'est pas ouf. J'ai perdu. Mais c'était pas un avis négatif, c'était un avis positif qu'il avait laissé. Plus 2 points de technologie. Nickel. Bon allez, sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Notre société a bien avancé. Et ciao ciao tout le monde.